Bonjour mes très chers amis et bienvenue sur notre chaîne BTTG, chaîne consacrée à la technologie de l'information. Euh, nous poursuivons avec le module de Cisco et ce chapitre quoi, est consacré au IPv4, au subnoting IPv4. Quoi. Allons faire un tout petit panorama sur les différents points qui vont faire l'objet de ces vidéos. En fait, ce chapitre quoi, est divisé en deux grandes sections. Une première section concerne les prérequis, c'est-à-dire les différentes euh, connaissances qu'il faut avoir concernant euh, pour pouvoir mieux maîtriser euh, le subnoting. Et une deuxième section concerne les, différentes, les différents scénarios que vous pouvez rencontrer lors de la création d'un sous-réseau dans les prérequis nous allons voir nous allons juste euh, parler un peu en fait faire une toute petite définition sur euh, IPv4 euh, les techniques euh, pour mémoriser les fait enfin, on va voir les différentes classes de IPv4 et quelques techniques euh, que que vous pouvez utiliser pour mémoriser les cinq classes de IPv4 et la quatrième partie on ne va pas parler on ne va pas en fait aborder cette partie pourquoi parce que euh, ça ne concerne pas vraiment notre, euh, le cadre de, de, de ce chapitre. On va l'aborder de préférence quand nous allons parler de NAT Network Address Translation. Et dans la deuxième euh, partie, toujours dans les pré -requis, on va avoir les quatre tableaux qui sont extrêmement importants lors de en, la préparation de subnoting. Il s'agit du, premièrement, le CIDR. On, on va en parler dessus. On va euh, vous un peu de tableaux qui vous permettent d'identifier le dernier bit et quand pourquoi l'identifier et aussi on va parler le tableau d'incrémentation hein, tableau qu'on va utiliser juste hein, pour connaître quoi, euh, les subnoting ou du moins pour incrémenter etc et à la fin on va parler un peu du tableau des exposants une fois terminé avec euh, avec les prérequis nous allons passer directement aux différents aux différents scénarios en fait les scénarios que vous pouvez toujours rencontrer lors de l'implémentation des sous-réseaux et dans chacun des scénarios nous avons présenté trois exemples un exemple pour classe A, un exemple pour classe B et un exemple pour classe C donc c'est juste pour vous permettre de mieux maîtriser de bien comprendre le chapitre de IPv4 Subnoting sans perdre de temps, allons directement à la section de prérequis. Donc, euh, tout en commençant par définir ce qu'est IPv4. Hein, c'est le cycle de Internet en protocole version 4. Donc, c'est donc la première version d'Internet en protocole. C'est une famille de protocoles de communication de réseaux informatiques conçu pour être utilisé sur l'internet ce qui veut dire via ce protocole on peut, um, on peut partager on peut en um, partager des textes des images des vidéos et des, des, des vidéos en fait etc etc autrement dit toutes les informations toutes informations ou les informations qui sont susceptibles de coder en langage binaire peuvent utiliser ce protocole, je veux dire IPv4. Quoi. Conçu et développé par, euh, par les inventeurs Winton Gracef et son co-inventeur hein, Bob Kane ou encore Robert Bob, j'ai pas mis tout le nom. Ce protocole est codé sur 32 bits. Quand nous parlons de bits, nous parlons de 0 ou de 1 et ces 32 bits sont divisés en quatre sections euh, sont divisés en 4 quatre, quatre sections séparées par des points pour former ce qu'on appelle une adresse IPv4. Allons voir de façon conventionnelle les trois premières classes de euh, IPv4. Donc euh, non, symboliquement, les trois premières Classe, les trois premières classes de IPv4 euh, sont affichées de la sorte. Les N sont pour euh, euh, les réseaux ou les H sont pour les autres. Euh, donc, pour la première classe, on a 8 bits euh, qui, sont, euh, qui sont identifiés pour euh, le réseau et les trois autres bits, euh, je veux dire 24, les 24 autres bits sont pour pour euh, les ordinateurs ou encore les autres. Pour la classe B, la deuxième classe, on a 8, 16 bits qui sont identifiés pour euh, le réseau, alors que les deux autres bits pour, les, deux autres bits pour euh, les autres. Et enfin, la troisième classe, qui est la classe C, les 3 bits sont identifiés pour euh, les réseaux, 3 x 8, 24, et les 8 bits restants sont identifiés pour pour euh, les hôtes. Puisque le protocole IPv4 est codé sur 32 bits et ces 32 bits sont divisés en quatre sections, euh, d'où l'affichage binaire. On a l'affichage binaire ainsi. Donc, chaque, euh, euh, tous les bits qui sont à 1 identifient, identifient euh, les réseaux et les bits qui sont à 0 identifient les hautes. la forme en décimale de ces formes binaires identifie ce qu'on appelle le masque par défaut de chaque classe. à chaque fois que vous voyez l'un de ces masques accompagne une adresse ip, cela veut dire à quelle classe appartient cette adresse. IP. Donc en parlant de classe, nous, nous allons voir rapidement les cinq classes ou du moins la subdivision euh, de ipv4, les cinq classes de ipv4. Allons voir rapidement les cinq classes de ipv4. Euh, donc on a euh, la classe A qui, qui commence à partir de 1 à 126, 1.0.0.0 à. 126.255.255.255 Masque par défaut est 255.0.0.0. Ce, ce qui veut dire les 255 ici représentent le réseau et les autres bits, les autres octets représentent. En, en les hautes donc euh, ça peut prendre jusqu'à 16 777 212 c'est 214 mais il faut dire c'est 212 parce qu'on doit soustraire deux hautes pour la classe B les deux premiers octets en fait ici on a on commence à partir de 128.0.0.0 à 191.255.255 etc donc euh, pour masque euh, par défaut c'est 255 255 où les deux bits sont identifiés pour euh, le réseau. Donc, le nombre de routes est égal à 65 534 quoi, pour la classe C. C'est 192.0.0.0 à 223.255.255.255. Masque par défaut, les 24 quoi, premiers bits sont identifiés pour le réseau et ça peut accepter jusqu'à 254. Quoi, autre. Donc pour la classe D, c'est une classe qui utilise comme euh, comme un euh, multicast euh, pour multi -diff diffusion, ce qui veut dire une seule source vers plusieurs euh, destinations. Et pour la classe E, donc euh, ça reste un groupe d'IPs qui un groupe d'IP qui sont utilisés à des fins d'expérimental. Ici, on a omis 127. Le réseau 127 est utilisé pour tester la pile de TCPIP sur uh, votre ordinateur. Par exemple, si vous voulez voir si, le, si, si la pile TCP/IP est bien configurée sur votre ordinateur, il suffit uh, de faire ping 127.0.0.1 ou encore 127.1.1.1. Ça va dépendre de quelle adresse que vous allez choisir. Et ça va vous donner aussi le même résultat que si vous avez tapé ping local host. Pour boucler cette vidéo, allons voir euh, la, la technique qu'il faut utiliser pour euh, mémoriser les cinq classes. Pour cela, on va utiliser le tableau de bit position. Bien entendu, nous n'avons pas encore parlé de, de, de ce tableau, mais on va le voir dans euh, la suite de ces vidéos. En fait, euh, premièrement, il, on va utiliser deux tableaux pour, euh, pour mémoriser euh, les cinq classes. Le premier tableau, il s'agit d'un tableau binaire. Donc, euh, le, en fait, la première classe commence à partir euh, de 1 à 126. Or, codé sur 8 bits, on a 7 zéros au début et 1 en dernier. Donc, si on fait appel à, au tableau de bits, euh, de, de bits position, on va voir sur 1 codé sur 8 bits. Est égal à 7, 0 précédent, c'est pas affiché ici, c'est pas affiché dans ce tableau, mais 7, 1 codé sur 8 bits, on a les 7 premiers bits qui sont à 0 et le dernier bit est à 1. Donc 126, ça va être le premier bit à 0 et les 7 autres bits à 1. Pour, pour la classe B, on va avoir le premier bit à 1, donc ça nous donne 128, et les 7 autres bits est égal à 0. Donc ce qui veut dire en 2 exposant 7, ça donne 128. Alors que pour la fin, qui est à euh, 191, puisque la classe B commence à partir de 128 à 191, 191 sur forme binaire, ça donne le premier bit qui est à 1, le premier bit qui est à 1, ok, qui est à 1, et les. On, on a omis le deuxième bit qui est à 3, qui est 64, et on ajoute les autres bits. Donc, si on fait la sommation de 128 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2, ça va nous donner plus 1, ça va nous donner 191. Ou si vous voulez, pour plus, pour plus de rapidité, vous pouvez juste soustraire 64 moins 255, ça va nous donner le même résultat. Pour la classe C, donc on, a, on additionne les deux premiers bits. Donc, toujours dans le même tableau de positionnement. Le premier bit qui est égal à 128. Le deuxième bit qui est égal à 64. Donc, en additionnant 128 plus 64, ça va nous donner euh, 192. Donc, euh, ça commence à partir de 192. Si on vérifie un petit peu ici, on va voir en, la classe C, ça commence à 192 à 223. Et pour la fin, on a hein, le premier bit. Rapidement, on va... Hein, le premier bit qui est à 128, le deuxième bit qui est à 64, on soustrait, on a omis le 32, en fait, le, le, le chiffre 32, le troisième, qui, est, qui représente le troisième bit, et on additionne les autres bits. Donc, si on fait la sommation de premier bit 128 plus 64 plus euh, 16, puisque 4e bit est égal à 16. On va vous expliquer tout ça, même si, même si ça vous paraît un petit peu flou, quand nous aurons abordé le tableau de bits position. Donc, plus 16, plus 8, plus 4, plus 2, plus 1, ça va nous donner 223. Et pour la classe C, les trois premiers bits, hein, 1, 2, 3, ça donne 224. Les, les autres bits sont à 0, puisque la classe hein, D commence à partir de 224 pour finir à, à 239. Et pour, euh, pour la fin, donc on va avoir euh, euh, les trois premiers bits, euh, 128, 64, plus 32. Cinquième bit, euh, quatrième bit qui est à 16. On, on a omis le, le, le quatrième bit. Et, et on additionne les trois autres bits. Donc, si on fait la sommation euh, de tous ces bits, euh, donc ça va nous donner 239. Ou encore si on soustrait euh, 16 dans 255, je crois. Donc, c'est la quatrième bit. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si on soustrait 16 dans 255, ça va nous donner toujours 239. Et enfin, pour la classe E, les 4 premiers bits, on additionne les 4 premiers bits 128, 64, 32 plus 16, ça va nous donner 240. Les autres bits vont être à 0. Et à la fin, ça va, euh, nous allons avoir les 7 autres bits moins 1. Donc qui nous donne, euh, je crois que 255. Donc c'est la première euh, façon de calculer. De, en fait, de mémoriser les cinq classes de IPv4. Et enfin, passons à la deuxième façon. On ne va pas euh, s'éterniser sur la deuxième façon puisque dans la première, on a presque dit, on a presque, on a censé utiliser la deuxième façon. Donc, c'est utiliser des exposants. Deux exposants 7 égale à 128. Donc, c'est le début de la deuxième classe et et la fin qui est 191 ça va nous donner 2 exposant 7 ça donne 128 plus 2 exposant 6 ça, ça donne 64 moins 1 donc 128 en plus 64 moins 1 ça nous donne 191 pour la troisième 2 exposant 7 plus 2 exposant 6 donc ça veut dire 128 plus 64 ça donne 192 etc etc donc c'est c'est cette procédure que j'ai moi-même utilisé pour retenir euh, les cinq classes de ipv4 comme je vous ai dit dans la première euh, dans la première euh, slide Donc dans le premier slide bien entendu il est extrêmement très important que vous que vous mémor mémorisiez, euh, les classes les cinq classes de ipv4 puisque quand nous aurons à résoudre un scénario, donc, on va nous donner une adresse de réseau. Donc, cette adresse de réseau va correspondre à une classe de à une, à une classe. Donc, les bits qui correspondent à cette classe, on ne va pas les toucher, mais on va manipuler les autres bits. Donc, il est impératif qu'on sache, qu'on maîtrise ça un petit peu, parce que c'est ce qui va nous permettre de mieux, d'être beaucoup plus efficace dans le calcul de Uh, masque de sous réseau. Donc on va passer directement uh, au deuxième uh, prérequis qui, uh, qui concerne les différents tableaux. Donc à très bientôt pour uh, notre prochaine vidéo.